Bonjour à toutes. Alors, je vous présente donc le nouvel épisode de l'aventure mini d'un petit coin de paradis, puisque je suis encore au Paradou. D'ailleurs, le Paradou en provençal signifie bien le paradis. Donc, de ce petit coin de paradis que vous avez pu d'ailleurs retrouver dans la petite vidéo, le petit tuto mécanique que j'ai réalisé. Je vous présente donc le nouvel épisode de notre aventure mini. Attends, au passage, vous voulez pas, je vais me choisir une fixe, c'est mon petit péché mignon. Voilà, j'aime manger les fruits sur les arbres. Donc, vous l'attendez tous, le fameux redémarrage de l'Austin. Eh bien, non, malheureusement non. Pour une raison toute simple, ça fait 15 jours que je suis en vacances et la vidéo de samedi, c'est tout ce qui me restait d'images prises juste avant mon départ. Donc là où j'en suis resté samedi, j'en suis actuellement et il me reste encore pas mal de choses à faire avant de pouvoir remettre la voiture en route. Alors pour ça, je vais commencer par m'occuper du faisceau électrique qui représente quand même un gros chantier, pas tant sur le fait de devoir faire fonctionner les feux, les phares, les clignotants, bon ça j'ai pas d'inquiétude, mais c'est surtout pour toute la partie qui concerne le coupe-circuit, le démarrage, donc tous ces éléments électriques qui ne sont pas d'origine et que je vais devoir installer, câbler et connecter ensemble. Alors, je vais profiter, maintenant qu'on est plutôt sur cette partie du projet, je vais aussi profiter de l'occasion pour vous montrer un petit peu la démarche à suivre d'un point de vue administratif, je dirais, la démarche à suivre pour obtenir un PTH, donc un passeport technique historique. Et avant d'aller piquer une tête, m'en voulez pas, mais la tentation est trop grande. Voilà, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Merci encore pour tous vos soutiens, quels qu'ils soient. Et puis, quoi qu'il arrive, on se retrouve samedi prochain comme d'habitude. Bon, là, je vais fabriquer une platine
qui va partir d'ici jusque là et sur laquelle je vais mettre le coupe-circuit, la tirette de déclenchement de l'extincteur automatique, et on verra s'il y a la place pour éventuellement mettre un ou deux compteurs. Donc pour la même méthode, on commence sensiblement par faire un patron. Ça y est, donc ma platine se met en lieu et place comme ça. Je vais juste percer ici et en fait je vais la fixer sur mon bloc radiateur. Ça va être très bien comme ça. Et donc là je vais mettre le coupe-circuit et je vais voir en dessous, donc coupe-circuit et tirette d'extincteur. Les raccords ne sont pas encore faits, c'est juste posé pour l'instant. Voilà, donc là les câbles, un il va arriver par en haut, ça va être donc le coupe-circuit, sachant qu'il faut que je fabrique une petite patte ici pour pouvoir tirer et déconnecter en cas de besoin. Et puis ben, pour l'extincteur, pareil, il va falloir que je passe derrière, que je raccourcisse parce que bien entendu il est beaucoup trop long, et puis on en aura quasiment terminé. Bon, là il va falloir que je relie le câble d'alimentation parce que la batterie est derrière, donc le câble d'alimentation il va venir ici et ensuite ça va repartir. Alors une partie de la connectique ici va arriver, alors elle va passer sur mon interrupteur ici et ça va arriver derrière. Sachant que avant on tolérait les coupes-circuits simples qui en fait ne coupaient pas complètement. Et puis maintenant bah, il faut que si le moteur tourne, si je déconnecte ici, il faut que le moteur s'arrête. Voilà, donc il y a un certain nombre de raccords à avoir derrière. Donc bon, ça prend forme. Là, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose de vraiment compliqué à faire. Après, ça va être des branchements. Alors, je vais m'atteler à la partie arrière. Pour commencer, je vais refixer les câbles de maintien de la malle. Et puis, j'attaque sur la partie électrique. Il faut que j'installe la pompe à essence électrique. Le régulateur de pression, je vais mettre ça dans ce compartiment là. Ensuite fixer la batterie. Et voilà, je m'attelle à la partie arrière et je vais avancer au fur et à mesure pour terminer par le compartiment moteur. Voilà. Alors partie importante, je prépare donc une plaque sur laquelle je vais installer deux pompes à essence électrique. Alors celle-ci est neuve. Et puis celle-ci, ben, c'est un vieux modèle qui va juste me servir en cas de secours. Voilà, donc je vais les positionner toutes les deux de la sorte.
et je vais installer ma plaque dans le compartiment arrière. Voilà, après les branchements, bon, rien de compliqué, une alimentation, une masse. Donc je ferai quelque chose de facilement amovible au cas où j'ai besoin de passer de l'une à l'autre en cas de panne. De temps à autre, quand mes mèches refusent de percer comme il faut, je sors mon petit gadget acheté il y a quelques années. Bon, ça, c'est du chinois, hein, de toute évidence. La qualité est loin d'être exceptionnelle, mais ça dépanne. C'est tout de suite beaucoup mieux. L'art de filmer. Bon, je pourrais en même temps déplacer le téléphone. De temps à autre, je suis une catastrophe. Allez, je le déplace, ça va être plus simple, comme ça je vais pouvoir serrer mon collier comme il faut. Je pense que je vais percer ici juste pour pouvoir passer deux petits risques. Alors là, on voit clairement, il y a de l'espace. En fait, j'ai fixé ma plaque support. Je l'ai fixée sur CN Block de manière à ce que tout ceci puisse quand même encaisser les vibrations. Voilà, donc là, je vais juste percer deux petits trous ici et je vais me mettre deux risselants, comme ça ma durite, car c'est une durite, ma durite, comme ça elle va pas se balader.
Je rigole, je suis trop loin pour pouvoir filmer. Alors, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Mais je vais déplacer la caméra parce que comme ça, je ne vais pas y arriver. L'idée pas exceptionnelle non plus. Voilà. Alors, j'ai rebranché ma masse sur la batterie. Là, je n'ai pas encore connecté les pompes à essence, enfin la pompe à essence au tableau de bord, mais je vais quand même faire un essai directement d'ici. Donc, je mets mon plus là. Donc, je ne vais pas insister à faire tourner, parce qu'à vide, les pompes n'aiment pas beaucoup. Allez, impeccable. Bon, tant qu'à faire, je vais tester la seconde. Je fais n'importe quoi. On va recommencer. Allez, on réessaye. Le premier câble que j'ai trouvé. Allez, nickel. Allez, ben mine de rien, tout ce petit travail m'a pris la matinée. Voilà. Je sais pas si je dois m'inquiéter, mais pour samedi matin, ça va être compliqué d'avoir suffisamment d'images si je travaille à ce rythme-là. Alors, le premier document que vous avez besoin de remplir, donc c'est un formulaire de demande de PTH avec les coordonnées du demandeur. Rien de bien compliqué, trois petites infos, les infos sur le véhicule et une photo de la voiture. Voilà, ça, vous signez et vous le joignez à votre dossier. Alors, le second document qui, lui, est un petit peu plus long puisqu'il y a 24 pages, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est la demande de passeport technique historique. Alors, à savoir, important, au début de cette demande, de bien sélectionner la catégorie. Donc, nous, en l'occurrence, on est sur du tourisme de production de série. Également, bien sélectionner la période. Pour ça, vous allez sur le site de la FIA et vous téléchargez, c'est gratuit, vous téléchargez donc la fiche d'homologation qui correspond à votre véhicule. Il y a une liste longue comme tout, avec tous les véhicules et toutes les périodes. Donc vous sélectionnez la vôtre et moi en l'occurrence, c'est un véhicule de la période GR qui va de 1966 à 1971. Voilà. Ensuite, tout le reste, ce sont des infos sur la voiture. Alors, on vous demande un certain nombre de photos. Ensuite, vous aurez peut-être besoin. Moi, je l'ai rajouté, bien que n'en ayant pas besoin. Ça, c'est une photo d'une Cooper SM4 III
durant une épreuve d'époque, hein, vous l'aurez compris, avec la date de l'épreuve et l'épreuve en question. Bon, ça, j'ai retrouvé les infos sur le site EWRC. Et puis pour tout le reste, voilà, on vous demande des infos sur le châssis, sur alors là aussi, il va vous falloir des photos. Bon, certaines, je ne les ai pas encore. Donc châssis, freinage, suspension, moteur, enfin tout. Alors je défile un petit peu vite. Tout ce qui correspond aux voitures. Alors c'est un petit peu long à remplir. Mais il n'y a pas de difficulté particulière si votre véhicule, comme c'est mon cas, si votre véhicule est très proche de l'origine. Donc il n'y a pas de raison que. Il n'y a pas de raison que ça pose problème pour l'homologation. Voilà, après on demande des photos un peu dans tous les sens, devant, derrière, sur les côtés. Bon, à éviter, là, il va falloir que je les reprenne parce qu'ils demandent d'éviter les ombres. Photos de l'intérieur, voilà, le coffre. Et on vous demande également des photos des sous-bassements. Bon, là pour moi c'est pas compliqué dans la mesure où. Elle vient d'être restaurée. Et voilà, après, photo de la boîte. Alors, c'est pas toujours évident quand la voiture, elle est déjà montée. Bon, mais sinon, si vous avez comme moi conservé ou des photos ou des images vidéo, ça devrait pas poser de soucis. Voilà, on en termine par les extensions. Donc, moi, ça, tout ça, ça ne me concerne pas. Et à la fin, qu'est-ce que nous avons? Donc changement de propriétaire. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là, puisque il s'agit d'une première demande. Alors là, je suis passé sous la voiture. En fait, il faut que je sorte le câble de la batterie. Il va falloir que je fasse passer dans l'habitacle avant de l'envoyer dans le compartiment moteur, puisqu'il va être fixé sur le coupe-circuit. Voilà, alors je vais percer ici, comme ça je vais faire sortir le câble par là et il arrivera directement sur le coupe-circuit ici. Ah, ça limitera un petit peu les longueurs de fil et comme ça, je serai en accès direct. Alors, ça y est, j'ai réalisé mon trou. Maintenant, je vais passer, je pense que ça s'appelle un passe-fil, un passe-câble. Alors, c'est juste pour éviter que le câble de batterie ne se cisaille avec les vibrations, ne se coupe contre le bord de la carrosserie. Voilà, donc là maintenant je vais le faire passer et je vais venir le raccorder sur le coupe-circuit. Mais auparavant, il faut quand même que je mette une fixation derrière pour être aussi accroché sur la carrosserie. Alors là, j'utilise l'écran moyen. J'ai récupéré donc la tâche qui était en bout de câble. Et comme c'est de l'acier quand même assez épais, et que pour le ressortir, j'ai pris un étau qui traînait dans le garage. Et logiquement, ça devrait faire l'affaire. On va desserrer. On va voir de suite. Comment il est. Allez, à première vue, c'est pas mal. Je vais le laisser comme ça. Alors, certains d'entre vous ont eu l'excellente idée de me conseiller de mettre une protection sur le bord de mon protège-carter. Bien sûr, mon protège-carter. Je reprends.
Donc certains d'entre vous ont eu la bonne idée de me conseiller de mettre un joint sur le bord du cale-pied pour éviter des accidents, hein, tout simplement. Donc je mets celui-ci et puis après je vais en mettre un de chaque côté. Voilà, comme ça, quoi qu'il advienne, ça protégera toujours plus qu'une tôle, c'est pas de la tôle, c'est de l'aluminium, mais que le bord est quand même relativement saillant, même si je l'ai quand même arrondi. Alors dans la foulée, j'ai percé deux petits trous ici. J'ai déjà fixé mon câble. Alors j'ai rajouté une surépaisseur. C'est bêtement un petit morceau de durite que j'ai coupé, hein, de la durite de refroidissement qui de toute façon ne me servait pas, de manière à créer une surépaisseur. On ne sait jamais, même si bon, ça frottait pour ainsi dire pas, mais je préfère quand même mettre une petite protection supplémentaire. Voilà, donc là je vais fixer mes deux rislants et puis comme ça le câble qui vient de la batterie sera définitivement protégé. Alors quand je parle de l'implication des gens dans ce projet, eh bien voici un parfait exemple. Il y a Aurélien, bon, qui se reconnaîtra, hein, qui est en train de monter la même voiture. Enfin, c'est un 1275 GT, mais il est en train de faire la même préparation pour courir en VHC. Et il m'a très justement fait remarquer que la réglementation interdisait que les conduits d'extincteurs passent entre la caisse et l'arceau. Du coup, j'ai refait mon installation. Ah, bon, de ce côté-là n'a pas changé. Mais cette fois-ci, donc j'ai fait passer le tuyau à l'extérieur de l'arceau, comme ça en cas de choc, ben, il ne se pliera pas, même si j'espère que on n'aura pas besoin de l'utiliser. Voilà. Bon, je comprends mieux pourquoi ça va me brûler dans le dos. Pa. Ça y est, j'ai installé ma platine. Bon, c'est pas du grand art, mais là, sincèrement, je suis pris par le temps, donc ça suffira comme ça. Alors là, on va s'attaquer à une partie qui est problématique. Sur de la récupération, j'entends, parce que dans l'absolu, enfin, je vais vous montrer comment faire pour réparer un Komodo. C'est pas très compliqué. Si demain vous avez un souci, ce sont pas des pièces qui coûtent très très cher, donc je vous conseille fortement de les mettre en neuf. Là, l'idée, c'est quand même de faire de la récupération. Et le problème, c'est que ils souffrent tous des mêmes défauts. Alors, le premier des défauts, c'est le support du Komodo sur la colonne de direction. C'est une petite pièce ICAS. Si vous regardez, là, le support, il a cassé. Là, il a été rafistolé avec de la colle. Là aussi, il est cassé. Celui-ci, n'en parlons pas. Non, celui-ci, j'ai parlé trop vite. Celui-ci est cassé aussi. Donc, je crois que dans mon stock, voilà, j'ai celui-là qui est en bon état. Donc cette partie-là, je vais la récupérer. Et puis l'autre gros souci de ces Komodo, c'est cette petite pièce en plastique qui est là, qui normalement permet de bloquer quand on passe de code à phare. Sauf que 9 fois sur 10, avec l'âge, la pièce ici, elle casse. Et ben, malheureusement, dans mon lot, là, c'est cassé. Voilà. En gros, là, j'ai sorti le morceau. Il y a une excroissance ici. Et c'est cette excroissance-là qui rend l'âme au fur et à mesure des années. Voilà. Là, c'est cassé également.
celui-ci aussi. Le seul qui n'est pas cassé, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, on entend le clac, la petite pièce ici qui vient se bloquer. Le problème, c'est que le support ici, il est mort. Donc il va falloir que je récupère le support là et que je transfère toute la partie électrique sur celui-ci. Autre problème, il y a sur ces Komodo, hein, il y a 4 modèles. Les tout premiers sur les MK1, bon, on laisse de côté. MK2 et les premiers MK3, c'est celui que je voulais mettre au départ. Il n'y a qu'un seul bras, sachant que les essuie-glaces sont sur la petite platine. Ensuite, on passe à une première génération avec deux manettes. Alors la première génération, bien entendu, je n'en ai pas sous la main de complète. Alors on va faire avec les morceaux. Alors la première génération, voilà, ça c'est pour les essuie-glaces. Si vous regardez bien par rapport à un modèle plus récent, voilà, le design est différent. Le design est différent. Après, le système est identique, mais il faut changer. Moi, je vais mettre cette génération-là pour être quand même le plus proche de l'origine, puisque ils ont commencé à les monter, je crois, en 1973. Bon, les spécialistes me contrediront si je dis une bêtise. Et là, bah, pareil, c'est ce côté-là. Donc, il va falloir que je récupère ce morceau, justement, parce que là, j'en ai un qui, malheureusement, est cuit. Donc, celui-ci, je ne pourrais rien faire avec. J'en ai un essuie-glace, par contre, qui, lui, est complet et il a l'air de fonctionner. Donc, celui-là, je vais pouvoir le remonter. C'est assez facile. Juste, changer les vis ici. Et donc, il va falloir que je reconstruise un Komodo, enfin, la partie interrupteur pour les phares et les clignotants. Alors, il va falloir que je sorte les fiches d'ici. Donc, avec une petite pointe, normalement, on y arrive. En fait, il y a deux petites languettes, un peu comme un cran d'arrêt sur un harpon. Donc, il y a deux petites languettes. Quand on pousse, elles sont légèrement écartées. Quand on pousse, elles viennent se coincer. Donc, il faut que je les resserre pour pouvoir les sortir par en dessous. On voit les deux petites languettes, une à droite, une à gauche. Bon, donc il faut que je fasse pareil avec les autres pour pouvoir récupérer la manette. Alors une fois que j'ai déconnecté, bon, en l'occurrence il y en a deux principaux à déconnecter, sont les deux violets, enfin le violet noir et le violet tout court. Voilà, de manière à pouvoir sortir tout mon bras. Je pourrais, pour faciliter les choses, je pourrais couper, ressouder, mettre un petit morceau ben voilà, je cherche mes mots une fois encore. On va jouer au jeu des devinettes, vous savez, ce truc thermoformant, thermocollant, je sais plus. Voilà, c'est une petite gaine qu'on chauffe et qui se rétracte. Voilà, je n'ai plus le mot en tête, donc dans les commentaires, faites-moi un petit rappel. Voilà, donc voilà, faut que je sorte. J'ai pas envie de couper mes fils. Je peux arriver à démonter sans avoir besoin de couper quoi que ce soit. Voilà, donc on y va en douceur.
Je fais de la couture avec mon fil et mon aiguille. Maintenant que j'ai fait ça, il faut que je sorte cette petite pièce là pour pouvoir ensuite extraire mon morceau cassé, et il faut que je fasse la même chose avec l'autre Komodo pour pouvoir récupérer le morceau en bon état et l'insérer sur celui-ci. Voilà. Au passage, je vais voir si j'arrive à récupérer ce morceau. Logiquement, en ayant sorti ici, je devrais récupérer ce morceau sur l'autre, comme ça j'ai les inscriptions en bon état. Voilà, je suis passé sur l'étau pour pouvoir sortir cette pièce là. La masse ici, on la remettra ensuite. Voilà, donc là, je peux sortir mon morceau cassé. Et logiquement, ici, ça se déclipse. Si ça veut bien. Voilà. Voilà, on voit que ça n'a pas tourné depuis très longtemps. Bon, je vais pas insister parce que sinon après je prends le risque d'enlever le blanc. En tout cas, il est déjà vachement bien revenu parce qu'on voyait quasiment plus rien. Alors, je démonte la deuxième partie du Komodo. Alors là, il va falloir faire un petit peu attention. Alors, au passage, je veux pas dire de, je crois pas dire de bêtises. Ça m'est revenu. C'est de la gaine thermorétractable. Voilà. Donc, les aléas du direct. Enfin, du direct. Vous m'avez compris. Voilà, donc j'arrive encore à faire marcher mon cerveau, même si parfois je le trouve un peu en sommeil. Alors là, on va enlever la platine, mais on va l'enlever tout doucement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je la soulève à peine, je la décale vers l'arrière. Elle sort. Alors, maintenant, je vais sortir cette partie ici. Attention, là, vous avez trois petits ressorts avec des butées. Et au fond de celui-ci, il y a un petit corps en plastique. Et là, il y a une petite barre en... Ça doit être du cuivre ou un métal conducteur. Et ici, il y a une bille. Donc... si vous l'avez jamais fait, notez-le sur un petit bout de papier, ça vous évitera la surprise de perdre du temps pour le remontage. Voilà, donc a priori, voilà, la barre elle est toujours dessus, la barre en laiton. Là j'ai fait tomber mon petit ressort en voulant vous le montrer, bon ça c'est pas dramatique, je vais le remettre. Et la bille, elle est ici, avec mon petit ressort et sa butée. Alors là, je vais extraire donc la fameuse pièce. Alors en fait, il suffit simplement que je prenne cette pièce là, puisque c'est censé venir. Et ben oui, je l'ai mise à l'envers. Kibaoul ! Alors, bon, j'ai eu un petit souci, puisque j'ai la pièce d'origine qui s'est cassée en deux. Donc j'ai dû en récupérer une sur un autre. Donc j'arrive au bout. Ça va ici. Voilà, je vais remettre ma platine. Je suis pas décidément
Ce soir, j'ai du mal. Voilà. Là, c'est bon, je suis en place. Allez, je vais mettre mes deux vis. Il faut juste que je remette la main dessus. Bon, il y a quand même de quoi rire parce que mes vis, elles sont ici. Voilà. Allez, il faut savoir se moquer de soi-même. Ça fait partie aussi du jeu. Voilà. J'ai abandonné hier soir. J'ai abandonné le remontage. Je pensais que de remettre le commodo d'essuie-glace se ferait rapidement. Sauf que il me manquait des fils, donc il a fallu que je refasse une soudure. J'en ai profité. Bon, je les ai pas encore fait chauffer, mais j'en ai profité pour mettre cette fois-ci de la gaine rétractable. C'est quand même autrement mieux que ce que j'avais fait sur le fil de clignotant avec du Chatterton. Voilà, donc là sur les vieux modèles, ça se clipe comme ça dedans. Donc voilà, tout est remonté. Bon, je rigole aussi parce que le commodo de clignotant sur le site de Datch, il est notifié, et ils ont parfaitement raison, il est notifié d'éviter de les ouvrir, donc de faire sortir tous les petits morceaux, parce que 9 fois sur 10, les gens qui essayent de les ouvrir, ils en recommandent à 9. Voilà. Après, c'est une pièce qui vaut 33€. Sincèrement, je me suis cassé les pieds à le refaire. Bon, ça aurait peut-être mérité que j'en achète un 9. Bon, le fait est que voilà. On peut dans l'absolu le réparer. Là maintenant, je vais pouvoir le rebrancher et je vais continuer le montage de mon faisceau électrique. Je sais pas vous, mais moi cet escargot là, il m'a épuisé au plus de 9 minutes pour se redresser. Je n'ose imaginer. Alors ceux qui me demandent de temps à autre le nombre d'heures que je passe sur ce projet, je suis approximativement, hein, c'est à la louche, mais je pense que je dois être aux alentours des 800-850 heures. Je n'ose imaginer si je devais réaliser ce travail à un rythme d'escargot. Bon, je pense raisonnablement il me faudrait une vie entière. Bon allez, sur ce, je vais quand même me remobiliser parce que c'est pas tout. Ça va pas avancer tout seul non plus. Donc je